Merde, me suis planté de tard. Non. Hein? Mais non, mais non. Non, non, attendez. Ah, voilà. Non, mais c'est pas ça. Ah voilà. Merci. Et bonsoir Ridley, bonsoir à ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. Je suis juste en train de faire des petits setups le temps pour qu'on puisse voter. Même si je m'attends pas à ce qu'il y ait grand monde, je vous avoue. Alors attendez. Je cherche un truc. Là déjà vous avez une idée de ce qu'il y a, mais attendez. Qui m'emmerde. Je trouve pas la musique. Attendez. Je cherche un truc. Ah non, attendez, j'ai trouvé, je crois avoir trouvé. Non. Merde, c'était quoi? C'était pas ça? Non. Ah voilà, ça va être ça. Non. Je cherche un truc. Ça va être ça. Non. Merde, elle est où? Ah, c'est pas ça? Merde, putain, Ah, ça doit être ça. J'espère que c'est ça, je vous jure, si c'est pas ça, je me... Merde. Attendez. Non, pas Egg Rocket Zone, c'est un truc de Zera. C'est une musique de Sonic en fait. Attendez, on va chercher chez Zerator. Présentation, jeu Independence Day. En fait, c'est la musique. Independence Day. Faut que j'aille voir du côté de Zera. Non, mais on va remettre la. Voilà. C'est où? Oh, ça va être compliqué à trouver. Ah, présentation des jeux indépendants. Voilà, c'est ça le jeu. La musique. Donne-moi la musique, enfoiré.
qu'en fait, si vous voulez, cette musique. C'est une musique de Sonic. Salut Ifrit, comment vas-tu? Greenhill, bah oui, Greenhill. Ce qui me fait chier, c'est que je ne trouve pas la musique. Et je l'avais trouvée à une époque. Et ça m'emmerde. Monsieur Nougaret, vous me faites chier. Présentation de jeux indépendants. Salut cher Météos, je t'avais pas vu. Attendez. Putain, ça a daté. Evoland. Evoland est un jeu d'aventure narrative retraçant l'évolution des jeux vidéo. Non. Putain, mais comment je peux trouver cette info? Et merci Tsu pour le follow, bienvenue, welcome, welcome. J'espère que ta nouvelle guitare Hero 25, 25e du nom, marche bien. Rumze pose. Ah oui, c'est vrai que. Oh non, mais Rumze, j'ai plus aucun contact. Et merci Ifrit pour le hosto. Monsieur Nogaré, vous me faites chier. Non mais merde. Putain, y a pas quelqu'un qui a la musique. Ça me tue ça. Et en plus, elle apparaît pas, je crois. Bah non. Fait chier. Attendez. Je sais qu'elle existait. Sonic Remix Ice Cap. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas de la trap, casse-toi. Est-ce que ça serait ça? Non. Attendez, c'est quoi ça? Ah, nice, ça y est dessus. Ça va, ça va. Ah oui, Sonic 3. Pouit, pouit, pouit. Quel Sonic et description de la zone? C'est un. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est un Sonic Advance avec une zone de glace, mais il y a eu un remix en fait. C'est ça qui m'embête. C'est que c'était un remix. C'est pas ça à tout hasard. Snow motion. Est-ce que ça serait ça? Putain, mais je me souviens plus. Non, les OC Remix de merde. Est-ce que ça serait ça? Donc ça doit être le Ice Cap Zone. Ben non, ça colle pas. Ça me fait chier. Ça me fait chier. C'est pas grave. Bon, on va oublier pour ce soir. Bref, bonsoir, beaucoup Ocean Basin Act. Attends, quoi? Il l'a peut-être. Je vais faire le second du chrome en matière de sable dans le classement. Fuck. Comment ça, tu dois être le deuxième? Sérieux? Attendez. Ocean Base Act 1 Sega Genesis Remix. Si c'est ça. Non. On n'est pas long, on touche à quelque chose. Oui, ça a l'air de coller. Merde, je ne trouve pas. Est-ce que ça serait. Non, c'est pas possible que ce soit Megaman 7. Ça a l'air d'être bon. Maintenant, ce qui m'emmerde. Attendez. Un remix. On va juste chercher comme ça. Ça me fait chier, j'arrive pas à la trouver. Non, mais elle doit être vieille la vidéo. La vidéo, elle. Je suis sûr de l'avoir déjà vue. On peut. Ah, attendez, est-ce que ça pourrait? Non. J'ai bien à 22 mois. Peut-être, hein. Non, malheureusement. Malheureusement, non. Non, 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 non. Ça avait l'air, mais c'est Ocean Base, c'est pas Sonic Advance. Non, ça colle pas avec Sonic Advance 3. C'est un remix de Sonic Advance 2 pour moi. Attendez, Sonic Advance.
Ice Remix. Ice Mountain. Non mais ça je l'ai déjà écouté, espèce de connard. Je l'avais cherché à une époque, mais bon. Bon, vous savez quoi, on va arrêter de chercher pendant 107 ans, je la retrouverai un jour. Donc bonsoir, bienvenue, ceux que certains que je connais, que j'ai pas vu depuis longtemps, ça me fait plaisir de vous revoir, ceux que je connais moins, moi ceux qui viennent de me suivre, bienvenue, re-bienvenue, re, on se connaissait déjà, puis les autres. Donc, j'espère que vous allez bien, merci encore de tourner à Ifrit, malgré qu'elle n'ait pas été, que nous n'ayons pas trouvé. Mais j'avoue que le monsieur... non, mais c'est... En fait, elle doit... Cette info doit traîner quelque part, mais je sais pas où. Donc, bienvenue dans Handicap No Stream, l'émission où je joue à un jeu que vous avez choisi avec une contrainte que vous choisissez. Ça pue du cul. Voilà. Merci pour le host aussi. Donc, du Zelda. Ah non. Non, eh oh, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Pas envie d'avoir des problèmes, moi. Parlons de ça, Z-Event, hein. On en a déjà parlé pendant Xenogear, mais... Pendant Xenogear l'autre jour, mais incroyable. Incroyable, 3,5 millions, plus de 3,5 millions récoltés au profit de l'Institut Pasteur, c'est beau. T'inquiète, on va le sauver la chaîne en même temps, mais non. Ah non, vous me ferez pas... Ah non, mais je... De toute façon, je n'ai aucun problème. Et sur quel matos pour faire tes nuages? Je suis sur du... Alors, à la base, j'étais sur du Recurve Fit. Putain, c'était... C'est la même boîte. C'est... Voilà, c'est du Faris. J'étais sur, sur du Faris, du Wotofo. Donc le Faris qui est du... de l'hybride. Et en ce qui concerne la box, avant j'étais sur une Recurve, aussi de Wotofo, sauf que celle-ci est morte et donc on m'a vendu une Dot Mod. C'est une Dot Mod, oui. Une Dot Mod qu'on m'a revendue à moins cher que gratuit. Il faut que je recharge, tiens. Voilà, une Dot Mod qu'on m'a revendue et j'en suis très content. J'étais passé sur du semi-mecha et c'est vrai que malheureusement, bah ça a pas tenu. Mais bon, semi-mecha, la box a tenu. Elle a tenu une bonne année et demie. Une bonne année et demie avec des chutes... Merde. Et une utilisation journalière intensive. Bon, intensive, façon de parler. Donc voilà. Du très bon matos, ce que font Wotofo. Après, d'autres modes, là, vu que c'est du... Là, je suis repassé sur, donc, sur de l'électronique, mais avec du... Un plaquage... Avec des plaquages or. Au niveau des... On appelle ça au niveau des connectiques, c'est du plaquage or, donc c'est vrai que c'est cool. Et sinon, ah, moi le problème du full mecha, et ouais, je finis juste vite fait. Et en ce qui concerne mon liquide, c'est le Mixolog, c'est un truc, alors je crois que c'est des Français, et en fait, c'est du comment dire en gros, le Mixolog qui est très cool, c'est des vous a... donc va y avoir plusieurs parfums. Plusieurs arômes, arômes très classiques, hein, aussi bien fruités que autres. Et en gros, tu fais un peu ta, tu fais ta semoule, tu fais ta salade. Ah, ce solo. Tu fais ta salade, et en gros, à la fin, tu rajoutes juste ce qu'il te faut de nicotine selon ton dosage. Donc, par exemple, moi, je tourne à du 3 mg. Et derrière, bah, t'as petit truc, quoi. Et donc, par contre, tu peux pas mélanger plus de 5 goûts. Moi, il est conseillé de ne pas mélanger plus de 5 goûts parce qu'après ça devient imbouffable. Voilà. Et donc, moi je tourne à des mélanges auxquels la menthe aussi. On a de la menthe pacha plutôt un peu différente. On a de la menthe fraîche. Il y avait même un goût que j'ai découvert où c'était beaucoup plus frais. C'était vraiment du frais mais en petite quantité. Oui, c'est complètement un do it yourself, mais un do it yourself géré. Dans le sens où c'est mon vapoteur qui travaille avec eux. Je vais chez lui. Et pour moins de 20 balles, j'ai une bouteille de 60 ml avec la nicotine offerte. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, Sir Matteo, j'ai vu que qu'ils ont tiré la fibre dans ton immeuble. Je suis bien content d'avoir récupéré ma fibre. Et donc, voilà. Et donc, du très bon matos.
Après, comme je disais, voilà, le problème du mécanique pour moi, c'est bidouiller. En fait, j'aime bien bidouiller, mais j'ai horreur de bidouiller quand je pars sur un truc où je pars un peu à l'infini, quoi. C'est si je bidouille et que j'y vais à la ZUP, c'est vraiment parce que le truc est mort et que j'ai juste envie de le démonter. Fais-moi jean en bitrate en HD avec un bon bitrate, merci. Donc sinon, pour ceux qui ne connaissent pas donc Handicap No Stream, je vais vous faire voter pour deux handicaps qui auront juste un indice dans le nom, mais qui n'auront pas plus d'informations. Voilà, c'est tout ce que vous pourrez savoir. Le problème, c'est qu'il m'en manque un. Non, on va déjà l'entendre, Neo Green Hill, tout à l'heure. Ah non, c'est la vraie, oui, pardon. C'est celle de Sonic Adventure. Donc vous allez voter, et puis à l'issue, le handicap choisi sera expliqué par votre serviteur. Et derrière, on jouera au jeu sous ces conditions. Donc, quelles contraintes? Alors, je dis contraintes, c'est vrai que j'arrête d'utiliser le terme handicap, excepté pour le nom de l'émission. Pourquoi? J'en sais rien. Quelles contraintes pour Sonic Advance 3? Donc je sais pas, le problème c'est qu'il m'en manque un. Oui, elle fait de la HD aussi, la cam, je crois. Faudrait que je revérifie. Après, ça fait un peu de flou parce que je bouge peut-être trop. Ou peut-être que ça vient de toi. Alors, je pense qu'on va faire comme ça. Non, on va plutôt. Comment je pourrais l'amener? Alors, je sais pas si ça aura un vrai rapport. Mais. En fait, faut que je crois que j'ai trouvé le rapport, ça va être ça. Faut juste que j'aille vérifier. Surtout qu'en plus on entre. Non, mais il est vrai. Faut juste des images. Ah voilà. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Merci, je cherchais le vrai nom. Donc voilà. Mais c'est un jeu que tu as proposé. Non, c'est un jeu de Ridley. Ah oui, c'est Ridley. Donc c'est parti. Quelle contrainte pour Sonic Advance 3? On lance le poll. Chacun a droit à un petit vote. Vous votez, tout est indiqué à droite, soit un Mega Drive, 2 Macintosh 2. Voilà, vous faites vos choix, un pour Mega Drive, 2 pour Macintosh 2. Ce qui est très drôle, c'est qu'on parle de la Mega Drive Mini en ce moment, qui est, à ce qui paraît, pas mal, mais avec des défauts, surtout au niveau des jeux proposés. Là, clairement, il y a un indice, sans en avoir un. Ah, t'essaies de trouver le tien, eh bien, mystère. Tu veux Golden Sun 2? Un jour. Ça me fait plaisir que tu sois là, Ridley, j'en parle. Ça me fait plaisir que tu sois là pour handicap nos streams, malgré tes soucis de connexion. Qu'est-ce que je vote? Et merci The Unhuman pour ses 1 an de sub, 12 mois consécutifs, c'est pour ça qu'on a eu le droit à l'alarme de Fallout. Ici présente, faut aussi que je me dépêche de vous envoyer ce que vous avez gagné au dernier instant. Ça va faire 6 mois que ça dure. Et j'ai pas trouvé de carton. Voilà. L'excuse, c'est que j'ai pas trouvé de carton pour vous envoyer le matos, les enfants. Mais promis soon. Pour les derniers gagnants de Fallout Saga. Putain, ça traîne depuis 6 mois les gains là. Désolé, hein, je. T'as gagné quelque chose, cher Mathéos?
Merde, je sais plus. J'ai tout qui est là, mais il me reste encore, je crois, un mug. Et puis j'ai. Et puis je. Quand j'aurai tout envoyé, il faudra que je lance le gain du jeu de dames. Du jeu de dames Fallout officiel. Que je ferai gagner sur Discord. Donc pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, voilà, vous l'avez. Il y a un chat spécial et puis je vous le montrerai à l'occasion. Et merci The Newman, j'espère que tu vas bien, des bisous. Allez, on va attendre encore 2 minutes pour le vote et puis on va se bouger le cul de jouer parce qu'il est déjà 21h25. Ah oui, c'est vrai. Ah, certains ont peut-être pas remarqué, hein, évidemment, là. Faut que je repars. Pas de soucis, John Human. Vous avez remarqué, évidemment, hein, j'ai refait un peu le setup. Certains avaient remarqué, d'autres pas encore. Il y a un écran derrière moi, c'est normal. J'ai acheté un écran pour jouer à la Mega Drive 2. Ou que j'ai chopé avec Sonic 1, Sonic 2 en PAL pour 50 ou 60 balles. Et puis une PS3 que j'avais récupérée à l'époque pour jouer à Suikoden. Oui, voilà, John Human fait aussi partie des meubles. C'était l'époque où je streamais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, l'époque où j'étais sans emploi. Avec les jeux PS2, PS1, là, tout en haut, les livres dont vous êtes le héros, que vous voyez un petit peu. Et salut ma Cléo, comment vas-tu? Là, tous les goodies à la con des figurines que j'ai pas montées, il y a un truc de Lego à faire, de Ford, Mustang. La casquette que j'ai décidé de garder, Nuka-Cola. Pas encore un vieux con, c'est ça. On va laisser le temps à Macléo de voter, mais je pense que le choix est fait. Ah, petit mal de crâne de Sir Mathéos. Ah oui, si vous rejoignez le Discord, à la limite dites-le moi, ou sinon on verra si la modération vous filera des rôles. Alors j'ai vu Ifrit et je crois que c'est tout. Dessus, rejoins bordel le Discord. T'as eu ton CDI? GGG, Macléo, bien wesh. Oui, il y a un Discord si tu veux le rejoindre. Non, parce que bon, c'est bien. Je te fais gagner du pognon. Je te fais trouver des items qui valent un paquet de thunes. Je te fais gagner du pognon dans l'histoire en plus. Parce que il me connaît donc il t'a fait un petit prix. C'est du matos qui marche. Et tu oses ne pas rejoindre mon Discord, mais c'est une honte. Non, c'est juste qu'il y a le lien du Discord. C'est tout. Allez, allez! Parlons de ça, je crois que le September est fini, hein. Avec la petite animation. Eh ben merci pour les votes, on va s'arrêter là pendant que je check. Voilà. On va te mettre en plébéien pour le moment. Ifrit, tu stream plus. Salut Eurist! Ah, ça arrive, ça essaie de choper Eurist. C'est bien, tous les anciens sont là. Bon, tous les anciens ne sont pas là, mais beaucoup d'anciens sont là, ça me fait zizir. Donc pour info, le choix du prochain jeu se fera un autre jour. Se fera sûrement mercredi prochain. Je sais pas comment je travaille. Attendez, parce qu'on va vérifier. C'est quoi la diff? Bonne question. En gros, tu votes pour ce que tu préfères. Tu préfères le Macintosh 2 ou la Mega Drive. Ça, c'est mon planning de la semaine. J'enchaîne jusqu'à le... Hein? Quoi? Attendez 2 secondes. Quelque chose que je ne comprends pas. Parce que j'ai 25 éditions de mes plannings. À force, ça commence à devenir chiant. Car, t'es, je t'aime. Ça c'était prévu. Ah d'accord. Bah non. Attendez, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, les amis. Il y a un truc qui cloche. Ah oui, non, il a été refait. Donc qui dit qu'il a été refait dit que je l'ai sur mon téléphone. Et oui, my bad. Le planning a été refait. Vite. Un 2, il est pas fou. Ce qui est merveilleux, c'est que je vais vous expliquer quand c'est fini. 2 secondes, faut juste que j'aille checker pour voir comment je travaille cette semaine. Oh, putain, oh ça va faire mal, c'est vrai que je fais ça. Tellement peu de stream cette semaine, la semaine prochaine, et moi peu non, mais tellement moins que ce que je pensais.
Là. Oh, la semaine de merde, j'avais pas vu, ça arrive à 35h cette semaine-là. Ouais, mais bon, je peux taper lundi, mardi, mercredi. Peut-être jeudi. Je peux faire un jeudi à la limite. Ouais, vas-y, on va faire comme ça. Bon, bref. Moins de blabla, plus de jeu. Et fin du poll. C'est donc une victoire du Macintosh 2. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui était prévu. Ce qui est bien, c'est que Sir Mateos avait prévu que Mega Drive serait de jouer avec la manette Mega Drive, alors que c'est un jeu GBA. Mais le Macintosh 2, c'est le handicap de Ridley, le fameux, alors qu'il ne s'y attendait pas. Alors, pourquoi Macintosh 2, je ne sais plus. Parce qu'à base, j'étais sur deux idées. Alors, on va hide le pool. Donc, en ce qui concerne le handicap que m'a donné Ridley, faut que j'en parle parce que c'est... Il m'a filé un truc de 2 km de long, j'ai cru que j'allais l'insulter. Ridley. Alors en gros. Sonic Advance 3, comme la plupart des Sonic Advance, est déterminé par une espèce de fonction de hub. C'est-à-dire que lorsque vous terminez les deux zones plus le boss, et ben vous pouvez passer à la zone suivante. Sauf que son handicap inclut que si je me prends un game over dans l'area complète, donc c'est-à-dire que je suis dans la zone numéro 2 mais je prends un game over, je dois recommencer la une. Et ainsi de suite jusqu'au boss. Donc voilà. Voilà un petit peu le handicap, c'est-à-dire que game over égale recommencer toute l'area. Mais d'abord moins de musique. Et un truc que beaucoup n'ont pas vu depuis longtemps, générique. Merde. Générique, pardon. Quel dommage d'avoir raté la chose. Bon. Ah oui, non, c'est vrai que ça faut le subir. J'espère que le son est pas trop fort. Ça, je m'en souviens. J'ai le jeu sur Game Boy Advance. Il doit traîner derrière dans un carton rempli de mes jeux Game Boy et Game Boy Advance. Mais j'ai le jeu, j'ai eu le 1 et le 3. Le 1 je crois que je ne l'ai plus, mais le 3 je l'ai. Alors les options... Merde, putain, c'est vrai que je sais plus jouer. Donc info perso, on avait déjà... Oui, c'est vrai qu'on avait déjà mis... Niveau normal, temps écoulé on, parce que c'est facile ou normal. Puis les boutons, on s'en fout. Effacer données de jeu pour être sûr. Voilà. On va remettre. On va tout mettre à zéro pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Par contre, français évidemment. Et évidemment, un seul joueur. Alors on a le choix entre Sonic Tails, Knuckles n'est pas encore activé, Creamy non plus et Amy non plus. Et évidemment, le principe du jeu est de jouer avec un équipier. Docteur Robotnik, le méchant scientifique. Docteur Eggman a l'intention... Docteur Robotnik a l'intention d'utiliser les Chaos Emeralds pour construire Eggman Land. Sonic et ses amis doivent l'empêcher de mettre son plan diabolique à exécution. Que va-t-il se passer ensuite? Ensuite avec un espace. Ah oui, c'est là que l'intro. Chaos Emerald. C'est moi le Docteur Robotnik. Ah, Robotnik, c'est moi. Et en gros, on va retrouver des zones classiques. Certaines zones classiques, mais dans une version changée.
Alors qu'on aide nos amis les Chaos. C'est une factory ring, les personnages peuvent être modifiés ici. Bon, après je connais le jeu, donc bon, c'est bon. Tout un système de petits boutons, beaucoup de verticalité je trouve dans celui-ci. Alors si je me souviens, ici... Ah voilà, c'est faut le débloquer. Tu as besoin d'une clé spéciale pour utiliser ce ressort. Alors je sais plus, je crois que c'est un mini-jeu. Et donc c'est parti, première zone, voilà. Bon du moins, premier acte de la zone. Ah merde, attendez deux secondes. J'ai pas mis le nom du... J'ai pas mis le texte... Non, pas celui-ci. J'ai pas mis le texte du handicap. Alors... Macintosh 2. Si game over dans un acte égale recommencer la zone. Voilà. Non, ça devrait être... Voilà, ça devrait être propre. Donc c'est parti. Alors ce truc là, je m'en... Oh non, Chaos. Nya, Chaos trouvé, il reste 9 Chaos. Alors ça c'était chiant dans le jeu, je sais plus si c'était pour avoir la vraie fin. Et si je me souviens bien, yeah, en appuyant sur R, en fait on pouvait faire cette espèce d'attaque en l'air de Sonic. Et si on la maintient, en fait c'est la capacité spéciale de notre compagnon dans le 4-tail, ça nous permet soit de sauter plus haut, soit quand on est dans les airs, de... attendez, je vous montrer. Ah, sauter plus haut, évidemment, comme un con. Merde, évidemment. Je ne sais plus jouer. Et si on est dans les airs, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Il descend tranquillement. Ça vous permet de pas de planer, mais en appuyant vite sur A, on peut quand même faire des choses. Ah, ces bons sons de Game Boy Advance. Je me souviens encore à peu près de comment ça se goupille le niveau. Alors, je me souviens... Voilà, c'est ça, c'est les moments que je préférais quand vraiment on pouvait aller vite. Et ici, en fait, au lieu d'avoir le classique... truc avec Sonic, on a en fait un clear time avec une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Non, pas tomber. Mauvais, voilà, mauvaise idée. Quoique, en descendant... C'est quoi ça déjà? Oh, je sais plus ce que c'est. Ah oui, bat tous les ennemis, c'est avec un timer et tout. Oh, c'est chiant. Merde. Les Tails, voilà, le seul défaut des coéquipiers, c'est qu'évidemment, ils vous ruinent. Il y avait tout un chemin à suivre, je crois. Non, putain, je veux pas aller là. Je vais jamais réussir à finir. Plus que 3. Non, merde. Ah non. En vrai, oui, j'ai refusé Persona, mais c'est juste parce que j'en avais ras le cul de faire des... Merde, putain, je l'aurais pas, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est dommage. I'm up. Je sais plus ce que ça nous fait gagner, cette connerie. Bref, un jeu de merde. Alors, acte 2. Allez, c'est parti. Et là, normalement, l'OST est pas... C'est pas la meilleure OST des Sonic Advance, mais elle est cool sur certains passages. Après, bon, il y a toujours les versions accélérées. Je crois que ce niveau-là, il était infernal. Ça, tu vois, c'est des ennemis que j'ai jamais vus dans mes souvenirs.
Ouh, j'ai failli avoir un accident. Merde. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Évidemment, les protections. Ah oui, et puis cette... Oula, j'ai eu de la chance parce que d'habitude, normalement, cet ennemi-là, il te fait tomber bien bas. Oh là, ça passe vraiment de rien. Alors attendez, quelles sont les discussions? Ça donne des vies en plus, tu vas en avoir besoin des vies. Ah oui. C'est toi qui as besoin de vie, si on compte les autres, tu gagnes. Merde. Oh oui, c'était les bons calls. Les bons calls à l'ancienne. Ah oui, et surtout, vous avez oublié... Voilà, Sonic, il a une petite attaque nulle. Quand vous faites B, c'est 0. Merde, putain. Et allez, petite vie supplémentaire. C'est vrai que ça va... Toujours plaisir d'entendre ça. Oh oui! Oh, ça c'est beau! Yeah! Et c'est beau, voilà. Là, comme vous voyez, je n'ai que l'argent. Mais en ayant fini ceci, ça me permet... Oh là, je sais pas où je... Ah, l'acte 3. Ah oui, c'est vrai que ce sale jeu, il y avait 3 actes. Il n'y avait pas que 2, il y en avait 3. Ce sale jeu des arnaques. Salut Payton, comment vas-tu? Il y a 3 foutus actes dans ce jeu-là. Oh, l'arnaque. Et oui, 3 actes par zone, plus le boss. Quelle baise. Et si... 3 foutus actes de merde. Et à chaque fois, la musique part de plus en plus vite. Hein. Tiens, Chaos, mais on s'en fout. Des astuces de speedrunner pour ceux qui veulent. Merde. Tu forces le pic. Bon jeu 0, là. Ça devait être Persona 4. Oh, le dé. J'arrête pas d'enchaîner. Tu sais, j'ai pas arrêté d'enchaîner des RPG ou des jeux à la con et l'autre... Voilà. Failli éviter. Rien à foutre, allez go. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'ai peur. Ça, c'était le trou des enfers. Toutes les raisons pour te faire chier ce jeu. Olé. Olé. Ça va. Merde, sérieux? Ça passe pas? Je suis choqué. Pas mieux. Oui, t'as eu un chaos, gna. On a foutu. Je sais plus, l'acte 3, c'est quoi? C'est un combat ou... On finit avec l'acte 3 ou il y a encore le boss? Merde. Non, c'est bon. Bah, à 100, oui, c'est one up. C'est une vie en plus.
Ah les... Oh les... Comment dire... Les réflexes ne sont plus là, hein. J'ai l'impression d'être devenu vieux. Dire que j'ai joué le jeu quasiment à la sortie. Alors que je me souvienne de ce boss... Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'abord il y a ça. Il devient de plus en plus vénère avec le temps. Hein. Le robot nul de Robotnik. Voilà. Époque. Ah oui, ça va être époque. Qui est en mode... Et là, on suit le mouvement. Et merle. Ah oui. Ah ouais, c'est parti. Ah putain, je me souviens de ça. En gros, faut le bait. Et derrière... Oh putain. Non, mais non, pourquoi? Oh non. Non, ma ring. Putain. C'est vraiment une vanne, hein. Cette espèce d'énorme vanne, là. Voilà, Tails fait ton taf. Mais je me souviens qu'il y avait une fast trad pour le buter, le boss, sans se faire chier. Oui, je tapais au-dessus de son point faible. En fait, la meilleure technique, c'était de faire... C'était d'enchaîner. Bon, allez. On y retourne. Vas-y, putain, Tails. Ah mais Tails va être le carry de ce jeu. Ah, c'est parti en mode vénère. Oh, vas-y Tails, vas-y fonce à droite, tape, tape. Merde, putain, je suis sûr qu'il peut le faire. Je l'ai eu, nice. You're going to pay for this. Par contre, ah oui, et après quand on a fini, c'est le changement de monde. Voilà, le mode facile c'est la même chose que le normal, sauf qu'on a un hit en moins. Ah oui, avec cette phase là, dans les étoiles, dans l'arc-en-ciel. Et donc normalement là c'est Neo Green Hill. Sunset Hill, voilà. Ce petit remix. Pas, t'as l'impression que... Sunset Hill, pardon, c'est pas Neo Green Hill, c'est Sunset Hill. Neo Green Hill, c'est dans le 1. Ah, ces musiques.
Ah là c'est bien. Là on peut. Ouais. Putain. Je suis gentil, vous demandez ce qui cloche après, c'est vrai. Bah après j'ai pas dit que c'était la meilleure. Oh. Ah évidemment les taupes démoniaques. Ah mais le c'est un peu. Comment vous dire? C'est, je trouve que c'est trop dans la verticalité, ça m'énerve. En fait on est à peine dans la deuxième zone qu'on est déjà sur un truc full verticalité de mire. Ça c'est Sonic Advance. Sonic 3 Knuckles avec le singe Seymour. Connard. En fou. Et merde. Padam padam padam. Oh là, je suis en train de faire. Oh, j'ai fait des dingueries. C'est qui peut. Je sais plus, je crois que c'est Knuckles qui peut casser ça. Ah merde. Voilà, merci. Bon, le jeu qui me dit bouge-toi. Et de l'eau, et de l'eau. Oh. Les autres persos, ça peut être très intéressant sur certains niveaux avec Knuckles. Creamy et Amy peut être pas mal, mais Amy est pas mal. Creamy est un peu une espèce de sous-Tails. C'est dépendant quoi, c'est vraiment aux préférences de chacun. Qu'est-ce que je fais? Mais non mais je m'en fous du jeu bonus moi les gens. Allez c'est parti pour la suite. Ce qui est bien c'est que la musique à chaque fois elle accélère. Mais c'est... Comme je disais la musique me sauce bien. Mais... Ah putain c'est là qu'on pouvait arriver là-haut, pas grave. Heureux Arsène, cet homme qui joue à Sanic. Merde. Yeah. Ce qui est dommage, voilà, c'est qu'on est vraiment sur beaucoup de verticalité chiante. Alors que Sonic, c'est pas... C'est pas non plus... Oui, quoi qu'il y en a... Je dis ça, je dis qu'il y en a beaucoup, mais en fait, non, ça vaut le niveau originel. Qui fait Mario Kart Tour? Mais il y a des gens qui jouent à ça. Bon, je sais que Necro y joue, bah, mais bon... Et lui et Mario Kart, c'est plus qu'une histoire d'amour, c'est... C'est une relation de couple. Il y en a qui ont vraiment testé Mario Kart Tour. Non mais c'est... Gratte la tête, ça me gratte. Ah voilà, lui on l'a fini plus rapidement. Gold. Et non,
vraiment argent. Après, je me souviens... Ridley, tu te souviens de combien il y a de zones exactement? 8, non? Buhi? Buhi? Ah bah, c'est vrai que l'acte 3 a toujours été bien parce qu'il y a toujours une, c'est toujours une version alternative mais réelle. La 2 c'est vraiment l'accéléré. Il doit y avoir 7 zones. Ah oui, donc ça va aller. Si j'en crois mes souvenirs, il y a moyen que je m'en sorte rapidement. Peut-être pas la semaine pro, mais d'ici 2 semaines c'est réglé, je pense. Bam bam. Je me retape pas le... Sale jeu de dos. Ah voilà, merci. Du chaos. Merde, c'est trop. Merde, putain, ça c'était le truc qui me tuait le plus dans le jeu. Le temps de niaiser, c'est ça. Faut le temps de niaiser. Heineken. Heineken, t'es que... Ah non. T'es que là, Heineken. Faut le temps de niaiser. T'es que là, Heineken. C'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Wait. Après, selon les persos, vous avez aussi beaucoup de mal à vous déplacer sans utiliser les outils du jeu. C'est vrai que Thèse était un bon. Dans 2 jours, la GDQ. Je crois que c'est... Oui, la GDQX, c'est bientôt. Oh là. Merde. J'ai jamais gagné de vie avec ces conneries. Oh, punaise. Quel est un magasin français qui c'est vraiment pas ouf, c'est ça. Plus de sub que Ridley. Ah. Ah oui, c'est vrai. Non, déjà 6 mois à Ridley avec un S. Mais alors en fait c'est la GDQX et en fait c'est pas... C'est une édition... Et merci! Attendez, par contre, merci Arsène là-bas pour les 7 mois de sub! Ah non, mais si, cher Mathéo, ce que vous faire le 7ème mois de sub à l'ami Arsène Lapin. Alors attendez, il faut juste que je vire ça juste là où il faut. C'est-à-dire. Non, pas les réseaux sociaux, on s'en fout. Paul Mape. Ben merde, il... Ah, alert box. Ah oui, c'est juste que c'était pas en dessous de l'alert box. Le logo. Bien, merci Sir Mathéos, contribuer à ce stream par l'intermédiaire de Arsène. Donc ouais, généralement les stages 3 sont les plus chiants. Ah mais je suis mort quoi. Oh, ça va être l'enfer je sens. À un moment donné je vais devoir prendre le parti de faire un game over juste pour pouvoir continuer. Un chaos trouvé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des chaos dans les cailloux. Attends, t'es nain.
Ah ouais, non, les arnaques sont pas possibles à ce moment-là. Yeah! C'était les Koroks avant l'heure, clairement. C'était les Koroks. Ah bah enfin! Ah oui, en plus, c'est version boss. Je crois qu'il fait une connerie. Voilà, c'est ça la connerie. Mais attendez, c'est pas déjà le boss là, si? Non. Voilà, c'est fin de zone, allez. Ah, et là, il y a Knuckles qui arrive. Knuckles, il est craqué sur certains. Il permet de planer et en tant que perso, il est cool sur toutes les verticalités. Hey, c'est Knuckles! Qu'est-ce que c'est, Sonic? C'est parti, le voice acting. Je peux peut-être aider? Non, merci, c'est inutile. Je suis Sonic, le hérisson bleu. En plus, c'est les designs de Sonic Adventure. Comment? Attends un peu. Tu peux prendre Knuckles. Si je me dépêche... Yes, c'était ça. Oh putain. Ah mais il y a du lore, attention. Alors, le Sunset Hill, c'est quoi déjà? Ah, oh, je me souviens plus dans le Sunset Hill ce que c'est. Ah oui. Ah oui, je me souviens. C'était peut-être le plus pourri de tous. Ouais, merde. C'est Nick et Natsu Knuckles, c'est ça. Bon, allez, on recommence. Ça se goupille. C'est normal. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est bon, je l'ai. Il arrive de l'autre côté. Non. Bon, là. Reviens, vas-y, recommence. Je crois que c'était le plus nul des boss. Mais genre littéralement. Hein. Et voilà, fini. Voilà. Des mots de sur les gels et regardez la déchéance. Il est mots de ici. Bon, ben voilà. Je suis étouffé. En fait, je me souviens qu'il était pas si dur que ça. À Ocean Base. Mauvais les modos ici, sauf moi. Oh le mec. Alors, Ocean Base, j'ai quasiment aucun souvenir de cette zone. En dehors de la musique. Qui était très stylée. Et qui faisait penser au dernier niveau de certains Sonic. Oh, les pièges de partout. Obscur. Je
Oui, c'est jeu sur GBA. C'est indiqué, hein. Au-dessus. Au-dessus, vous remontez. Il y a un point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Jeu suivant. Ridley. Le handicap. Du moins, le handicap, la contrainte. GBA. Je peux pas faire mieux. Je lis pas, je suis un coteau, moi. Mais ça. Oh putain, ça, je me souviens plus de ces merdes. Ah, mais ce niveau des enfers. Tous les moyens sont bons pour crever rapidement et se faire un vieux game over de flag. Ah oui! Merde, putain. Quel enfer. Comme par hasard. Xeno, c'est un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu, Xeno. Pas l'année de sortie. Je mets pas les années de sortie hein, dans les émissions. Putain. Oh. Ah, génial, le premier game over. Je vous montre un peu Knuckles en... Alors Knuckles en fait il y a deux choix. Ouais, soit on le balance, soit... Ouais, il nous fait planer. Après on peut le prendre en perso mais bon. Oui c'est ça, c'était sur la première map de la zone. Hein. On a de la chance, je rappelle le handicap. Si je fais un game over sur une des trois actes ou sur le boss, et ben... recommence toute la zone. Ce vieil OS de merde. Grande période de souffrance pour moi. Ah mais le vieux timing de daube. C'est pour ça qu'on trouve des chemins alternatifs qui ne marchent pas. Voilà. Oh, c'est... Tous les chemins sont merdiques, hein, je vous le dis. Tu vois où est dessus ? La bonne nuitée, merci d'être passé, merci pour le follow et à plus. Oh
En vrai, combien de temps, si j'arrive à gérer, malgré les conneries comme ce que je viens de faire là, de game over ou de mort inopportune, moi je dirais 3 streams. Ah oui, bien, quand tu sais jouer, contrairement à moi, le jeu est signé rapidement. Je me souviens que je passais un après-midi dessus et je le finissais. Merde. Alors ça, c'était cool. Mais ça fait combien d'années que j'ai pas joué au jeu, Peyton? Je vais vérifier à combien est le speedrun, tiens. Le jeu, il t'en veut, ouais, à la fin. Par contre... Voilà, mieux. Parce que là, ça commence à attaquer les yeux. À 40 minutes 30 le world record, alors comment voulez-vous que j'arrive à finir le jeu en 40 minutes? En plus là on est à peine au début, et pourtant on est déjà sur les niveaux qui prennent 40 ans à se finir. Ah oui, 4 minutes 15 pour finir le niveau, avec un game over. Avec un décès. Ouais, advent ça en 40 minutes, il est louché, mais bon. Alors attendez, parce que par contre, on va faire un changement de caractère. Je pense que ça va être le bon moment pour faire du Tales X... Je ne sais pas qui. Ah oui, c'est quoi ça? C'est quoi déjà ici? Ah oui, le terrain de jeu de chaos. Ah oui, c'est ça. Tu peux rien faire contrairement au premier où t'avais vraiment cette simulation nulle. Mais bon. Quoique, vous savez quoi? On va se faire un combo anti-aérien. Ah, en plus il a un Shoryu. Ah mais c'est vrai qu'il avait un Shoryu, j'avais le... Voilà, et ça c'est la meilleure feature de Knuckles. Shoryuken. Là même pas, regardez, même pas besoin du truc de la mort. Surtout qu'en plus il avait la version, ouais c'est ça, il sautait plus haut que... En fait il a quasiment un double jump et ça c'était beau. Je crois que c'était... En fait... Je crois que c'est le meilleur perso Knuckles dans ce cas-là. Ah oui, en plus c'est des niveaux sous-marins qu'il connaît. Ah oui, c'est vrai qu'il peut... Okay. Il nage. Merde, putain, j'ai raté une bulle.
crois que c'était vraiment la meilleure feature du perso. En fait, ce qu'on peut faire, c'est ça. Merde. Je sais pas si vous vous rendez compte du potentiel du perso. Perso a un double jump. Je sais pas si on peut arnaquer le jeu comme ça. Je me demande bien si on peut. Aucun respect pour ce jeu. Hein. Knuckles était vraiment l'un des persos les plus craqués pour ce genre de moment. Ah, il mérite pas le jeu exactement. Sauf dans ces moments-là où je suis d'humeur magnanime. Ça passe. Ah mais ça passe. Quel j'y cours en retour. Hein. Oui, c'est vrai qu'il fait du Naruto Run, Knuckles. Amusant. Knuckles, le héros de toute une génération. Merde, putain, évidemment. Merde, putain, ah, ça c'est une blague. Mais non, mais... Je vais pas prendre la même banane deux fois. Putain. S'il avait pas passé loin. À la série Sonic Boom. Mais c'est vieux la série Sonic Boom. Nya. Et dis-moi que c'est bientôt fini là, 5 minutes de course, ça commence à faire. Yes. Nice. Allez, c'est parti.
Merde. On peut passer loin ces conneries. Tout ça pour de la merde. Un truc qui était pas dans le manuel, hein, je vous l'ai dit. Une vie, deux vies. Deux vies, l'ultime récompense. Tiens, tu vois, ton perso il est pas si merdique. Ça par contre est chiant. Merveilleux. Généralement l'acte 3 est pas est moins long que les autres si je me souviens bien, ça dépend. Pas le temps de niaiser ici. Est-ce que je pense? Ok, donc ça veut dire que... Merde! Mais quelle banane! Ah non, ça veut dire que... Voilà, c'est là. C'est parti. Je me souviens plus du tout de Ocean Base, le boss. Base. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Là, je commence à avoir petit à petit des mauvais souvenirs du jeu. Hop! Putain, ah ça c'est chiant. Quel con. Je m'y attendais pas celle-ci. Ok. Et merde, j'avais aucun moyen de m'en sortir. Si, moi si, mais quel connard. J'avais un moyen, fallait juste que je sois patient, mais j'ai pas été patient. J'ai pas été assez patient.
fait un pari. Une fois sur deux. Non, fais chier. Ok, ça passe. C'est bon, on l'a eu. Faut bourrer. Je vous ai dit best mate Knuckles. Best caractère. Ah, le royaume des jouets. Ah, triste je me souviens du royaume des jouets. C'était vraiment un monde de merde. La zone anxiogène. Ah non, mais la zone anxiogène. Alors, je crois que le meilleur moyen pour passer outre ce genre de zone, c'est de faire ce genre d'arnaque. Jusqu'au moment où vous pouvez plus, évidemment. Genre là. Quelqu'un me confirme le 4 zones sur 7? L'éléphant qui rigole. Putain. Que des mauvais souvenirs. C'est le plus boss final, je crois. Ah oui. Ça devrait le faire alors. Bien, je me dis, ouais, deux streams et c'est loché. Les souvenirs, comment. Il y a quand même des souvenirs de certaines conneries qui reviennent. Hein. Ah, le gang des petits bonhommes. Oh, trop fort. Ah, le panda qui tourne. Eh, moins de 2 minutes pour la zone. Je me souviens plus comment on... Allez, c'est parti. Mais il triche, le monsieur. Ah non, je triche pas. Je joue juste à ma manière. Shoryuken. Non. Je l'ai vu arriver à 2 km.
Je triche même pas, j'utilise ce que me donne le jeu. C'est-à-dire beaucoup trop d'options. What? Oh, je suis parti aux chiottes. Quel animal ? Merde ! Oh, j'ai fait un truc qui était pas écrit. Hein. Oh. Mais la peur au ventre à chaque fois. Dis-moi que le niveau est fini là. Ouh, ça sent la fin. Ah non. Pourquoi tu parles Rip, Ridley? J'ai l'impression que Ridley il a un vieux retard. Oh, c'est la fin ça. Oh oui. Non. Ah, Rip à Peyton. C'est parti, Pandi Panda, ouais. Alors ça, c'était pas écrit dans le script de terre. Allez, dis-moi que c'est fini après ça. Yes. Voilà, c'est parti. Si on arrivait à faire 4 zones ce soir, ça serait fou. Ah mais attendez, ça veut dire que si on arrive à faire 4 zones dès ce soir... J'ai un souci là. J'ai un souci si on arrive à faire 4 zones ce soir. Bah c'est que... En gros le jeu je vais le trouver en 2 frames. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime, des grands coups dans la gueule. Oui, on passera un autre plus rapidement, c'est pas là le souci est pas réellement là, mais c'est juste le côté
l'autre côté, il va falloir décider rapidement d'un nouveau jeu. Mais je pensais pas le faire aujourd'hui. Envoie mes sous, cochon. Ouais, c'est ça, sur Mathéos. De toute façon, en fait, je pense qu'on va décider aujourd'hui, 2h37. Au final, j'ai vraiment joué quoi, une... Là, je vais avoir bientôt joué 1h30 réellement sur... Ah bah tiens. Le dingue, putain, le petit cochon. Comment ça spam, c'est ça. Et c'est parti. Là, il envoie ses petites bombes. Putain, c'est pas si, c'est pas si, si compliqué. Shuriken, 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 shuriken. Alors par contre, le boss de Toy Kingdom, je crois me souvenir de ce que c'est. Mais je confonds peut-être avec un autre boss. Je confonds peut-être avec un autre boss. Je crois pas me souvenir qu'il était si dur que ça, le boss. Ah! Mais quel singe! Mais c'est quoi cette mort nulle? Putain! Ah non! J'ai trouvé la technique, c'est bon. Thank you.
voler. Plus cher, mais c'est pas grave. Sérieux, encore un? Allez, Dios. Allez, ça va, on a réussi. Et là, on récupère Creamy, je crois. Et je crois qu'on récupère Creamy. Aïe, ici. Ah non. Ah, Winkle Snow, Zone 5. C'est juste un truc. Ah oui, les attaques changent sur le perso. Ah, c'est ça. Donc là, il me reste encore 4 zones à faire et j'ai fini le jeu. Juste pour vous montrer par exemple ce que je peux faire avec Sonic. Quand j'ai justement Knuckles et Sonic. Non, non, c'est 8 zones. Il m'en reste 4, 5, 6, 7, 8. Knuckles avec Sonic, il est 0. Voilà. Il peut plus s'accrocher au mur. En fait, ça dépend avec qui les persos sont complets. Bon, et ben voilà. Vu que vous avez été sage aujourd'hui, je vais quitter le jeu, repasser en entracte. Et on va... Stream de but. Mais tu me respectes, Peyton, un petit peu, de temps en temps? Hein? Tu respectes les gens, t'as pas vu pendant 10 ans, et là tu viens, tu hurles. Putain, la gueule de la sagesse. Non mais j'allais dire qu'on allait passer au... à toute la période, tout le moment de Raffle et compagnie. J'allais dire ça tranquille et tout et l'autre... trip de bite. Oh j'allais... T'es là, en plus j'en profite que tu sois là pour qu'on puisse faire les votes et tout. Crypt of the Necrodancer... Je mets juste à jour un bon 4 sur 5. Voilà, mais je savais pas. Ah, attendez, parce que ici c'est quoi déjà? C'est. Ah, si décès. Act. Non, si game over. Sur act. Faire toute la. Zone. Voilà. C'est la super version du Blu-ray.
Bien sûr qu'il y a toujours... Alors attendez, si je suis point d'exclamation HNS, c'est quoi? C'est ça. Vous avez le récap de tous les jeux faits. Bah t'arrives au meilleur moment, Blu-ray. Je suis au moment où on va voter pour le prochain jeu. Alors on va commencer par... Alors le format va être... Je vais vous réexpliquer en gros quelles sont les conditions. Ouais, Sonic Mania. Oui, mais bon, c'est les gens qui me donnent les jeux. Alors, un jeu en handicap. Il y a un raffle pour que 4 d'entre vous puissent me donner chacun un jeu. Après, on vote pour l'un d'entre eux. Au niveau des jeux, il y a toute l'étendue qui est indiquée sur le GDoc. Mais pour l'émulation, on s'arrêtera maximum à la PS2, GameCube, PSP, pardon. Fightcade est autorisé. Catalogue Steam GOG, évidemment, faut me donner les prix. Évidemment, on évite les jeux de la même série, les mêmes gameplays, les jeux longs H24. Et sachant que la durée max est de 50 à 60 heures, et c'est négociable. Donc, on va lancer... Alors déjà, le raffle, il est où raffle? Donc un jeu pour HNS. Et on open le... On open, c'est parti. C'est le tab. Non mais t'inquiète, on sait. On sait à Blu-ray. Justement, je l'ai appelé Ridley Bot, faudra que je change le nom du bot à l'occasion. Putain, c'est vrai qu'il envoie ce sale message le truc quand quelqu'un veut participer. N'hésitez pas pour ceux qui sont dans l'ombre à participer pour le prochain jeu. Non, parce que si vous êtes 4, je vais vous foutre les 4 et puis après on va voir. Le problème c'est que si on est que 4 plus moi, ça va être chiant. Donc évidemment, vous proposez le jeu. Il y a le GDoc, je rappelle. Alors je refais le point d'exclamation HNS. Vous avez le GDoc. Évidemment, vous évitez de me filer. Des jeux à peu près similaires à ceux qui ont été donnés avant, quoi. Aussi bien dans les séries que dans les gameplays. Alors vous allez pas me sortir, tiens, on va faire Golden Sun 2 ou Mario et Luigi Superstar Saga 25 ou un Smash à la con ou Dragon Age Origins 3. Et oui, j'ai un nouveau badge, c'est le badge des 4 ans, Peyton. Je sais plus quelle arme c'est pas la Murasame? Non, c'est la... Ah putain, je sais laquelle c'est. Je sais quelle arme c'est la machin Blade, c'est pas la Ghost Blade. Ah, salut Arsène. Malheureusement, non, sur Mathéos, c'est compliqué. Arsène, fais point d'exclamation raffle pour être la personne en plus. En vrai, je serais salaud, je dirais que Ridley a pas le droit. Parce que Ridley, il a déjà proposé un jeu récemment. En plus, j'aime bien tes... Peyton, Sir Mathéos, Ridley, tu vois les pseudos à la suite. Tu vois les pseudos qui s'affichent depuis quelques temps. Mais t'as jamais donné de jeu, mais c'est... Blu-ray, c'est le raffle, c'est l'aléatoire. Story of Thor? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Story of Thor, je mets Drive, ça. Ah oui, la légende de Thor, oui, c'est ça, c'est ce jeu. Oui, mais d'abord, il faut que... D'abord, mon cher Blu-ray, il faut que tu sois sélectionné parmi les 4, après on vote. Ça marche. Arsène qui veut pas participer ou quoi? J'ai peur. C'est vrai que ça fait long, ça. Je demande aux gens qui seront sélectionnés. Mais tu seras sélectionné, Blu-ray, voyons. Il y aura tellement de... Non, moi je serais jamais couple reptilien, mais t'es vraiment un casse-couille. Ouais, je serais jamais sélectionné. Qu'est-ce que t'en sais? En plus, Story of Thor, Mega Drive, c'est vrai que... Ah, par contre, je vous le dis d'avance, la GBA, ça dégage. Hein. C'est déjà le troisième jeu GBA qu'on fait en... Quand je regarde, bon, beaucoup de PC aussi, j'avoue, mais PC, c'est encore une autre histoire.
vrai qu'on a fait beaucoup de jeux. On a fait tellement peu de jeux dans cette émission. On en a fait 34. 34 jeux en 4 ans d'existence. Causerie de LED. Bon, les premiers choisis. Et le premier gagnant, c'est Peyton. Bon, je continue. Il est sale bête. Le suivant, c'est Blu-ray. Alors, Blu-ray, on sait déjà qu'il veut donner Story of Thor sur Mega Drive. Alors, Blu-ray, évidemment, dans ton coin, tu réfléchis à handicap. Tu réfléchis à un handicap dans ton coin. Au cas où tu gagnes, c'est que tu me le donnes que si tu gagnes et ça sera en MP, genre sur Discord ou sur Twitch. Hein, via les moyens qui te sont attribués. Ah bah, Peyton, Persona 4. Alors par contre, Persona 4, c'est sur quelle console? Moi, j'ai un problème. PS2? Le problème Blu-ray, c'est que le 5, je peux... Le 5, c'est... Oui, non, mais les enfants. Moi, le problème, c'est que Persona 5, j'ai pas de... Ah si, j'ai la PS3. Ouais, mais le problème, c'est qu'il coûte encore un bras, je suis sûr, sur PS3. J'ai pas le hardware. Ouais, mais j'ai le hardware. Ouais, mais Persona 5, quitte à le faire, autant le faire sur PS4, parce que sur PS3... Combien il coûte, c'est ça, la question. Parce que moi, le problème, c'est que le jeu, s'il coûte un bras et demi, non. C'est vrai qu'il y a Catherine qui est sortie sur... 50 balles, allez, cassez-vous. Catherine classique. Ah non, il coûte 50 balles sur le store, Ridley, au secours. Bon. On a déjà deux de gagnants. Ensuite. Bah, Sir Mateos. Ouais, Sir Mateos, c'est Ridley, quoi. Et puis, évidemment, on va finir automatiquement avec Ridley. Voilà, reset. J'ai gagné. Donc le jeu de Ridley. Ah non, 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 y a fourberie là. D'où ça balance un RE4 alors que j'avais dit justement les jeux d'horreur sous condition. Ouais non, mais RE4 quoi. Je joue jamais un RE de ma putain de vie et j'ai dit Resident Evil on évite et l'autre il me file un vieux Resident Evil de merde. Non mais c'est pas de l'horreur, mais j'aime pas Resident Evil. En plus un TPS. Et je sais ce que c'est RE4, mais c'est un enfer. Oh. En vrai je vais le mettre, je vais accepter, mais personne va voter pour ça. Encore pire. Bon. On va juste checker certains jeux. Resident Evil 4, 15h, ouais. Et Kingdom Hearts, faites-moi rire. Kingdom Hearts. C'est fou. Que 27h. Non, vas-y. On va mettre cash. Voilà, cash, ça m'ira très bien. Cash sur PS2. Et il manque juste... Sir Mateos. Sir Mateos, ton jeu, s'il te plaît. Ah, faut que je rouvre le truc de Paul. Alors... Alors, on a... On a donc
Persona 4. PS2. Story of Thor. Ouais, je vais marquer le titre français, Loré. Land of Thor. Mega Drive, si je me souviens bien. Kingdom Hearts. Putain. PS2. Et on attend le dernier. Et oui, si tu pouvais m'éviter la GBA, je commence un peu à en avoir ras le cul de la GBA. En gros, les 8 derniers jeux qu'on a fait, ça a été. Réellement, hein. Dernier jeu qu'on a fait depuis Golden Sun, c'est GBA, du PC, de la GBA et un GameCube. Pour la V2 de HNS. Magical Star Sign. Mais donnez-moi la console! Sur DS. Ah oui, j'avais dit peut-être. Faudrait trouver un bon émulateur, mais d'accord. Alors par contre, je promets rien pour la DS parce que l'émulation DS est un peu chiant en général. Mais bon, au cas où, Magical Star Sign. Mais je sais pas pourquoi, je sens déjà savoir quel jeu va finir. Nintendo DS. Et donc c'est parti, chacun a le droit à un ou deux votes. Allez, deux votes. Vous pouvez voter pour deux jeux différents. Et celui de Magical Vacation. Putain, et Blu-ray, tu connais aussi les jeux. Oh, les jeux de l'ombre, quoi, ça me dit rien. Donc, vous pouvez voter deux fois pour deux choix différents. Et puis voilà, c'est parti. Évidemment, vous faites attention. 1 pour Persona 4, 2 pour la Légende de Thor, 3 pour Kingdom Hearts, 4 pour Magical Star Sign. Faites attention. Vous pouvez voter pour deux jeux, parce qu'on n'est pas beaucoup en fait. Mais vous faites gaffe parce que ça va être Zermiland. En fait, c'est plus pour les gens qui arrivent au pif et qui veulent foutre la merde. Alors, Magical Vacation. Attends, je veux quand même aller voir Magical Star Sign. 2 et 2. Mais ça marche pas, ça, malheureusement. Magical Star Sign. Qu'est-ce que c'est? Oh ce... Oula! Oula! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'y crois pas, ils montrent des images de Chrono Trigger au milieu. C'est quoi ce cast? Salut Eurist! Oui, pour deux jeux différents. Je suis le héros du temps, j'arrive à temps, putain. Peyton, faut commencer à voter, mon ami. Vote, parce que sinon ton jeu il va te passer sous le pif, je le sens. Ah salut Julien, oh, putain. Mais quelle raclure, Blu-ray. Salut Julien C. Mais... Nathan, tu le fais exprès. Comment veux-tu que ton jeu soit choisi si tu ne votes pas? Ah putain, mais... Ah non, mais il y a toutes les... les droits de frais. Oh, l'appel à un ami nul. L'appel à un ami nul. Oh, ça a invoqué tout le monde. Ça a invoqué Julien, c'est Kiwototo Big Game. Oh. Oh, Blu-ray, je le vois comme ça. Attendez, je vais sûrement me faire insulter, mais Blu-ray, je le vois comme ça. Merde, il est... Pourquoi j'ai... Ah merde, j'ai l'ancien sur lui. Je le vois comme ça. Oh putain, mais... Oh, je le vois Blu-ray, j'ai des habits. Et là, il y a tout le monde qui se ramène. Ah putain. Ah, je le vois comme ça, Blu-ray, tout content d'avoir son jeu là, en train d'avancer. Ah putain. Ah putain, mais salut Jackson, salut Arthur. Oh, il a invoqué l'univers. Ah, mais là, il y a même petit... Putain, il y a l'univers complet qui s'est réveillé pour venir voir ça. Ça y est, il parle pas français. Ah, l'univers qui est venu pour voter, on n'a jamais vu ça. On évite la purge qui cache. Oui, bon, ça, c'est un autre problème. Après, ça allait. Persona 4, c'était pas non plus le pire jeu. C'est pas un mauvais jeu.
Ah putain. Vous savez, en fait, la vérité, c'est que toutes ces personnes qui ont voté 2, c'est Blu-ray avec 5... avec 7 PC derrière, prêts à voter et tout. Tous ces alts. Des gens à moi dans le lot, mais je pense pas qu'il y en aurait si nombreux, désolé. Non mais t'inquiète. Ah mais y'a vraiment des gens à tout. Non, non, Blu-ray, abuse pas. Non, non, mais pas besoin de le faire, Blu-ray, ça sert à rien. Mais je t'imagine bien avec 3 PC différents ou 3 ou 4 navigateurs. Bah, vas-y, c'est parti. En gros, tout le monde a ramené ses copains. Bon bah, on va attendre encore qu'on arrive à... On va attendre d'arriver à 5 ou 6 minutes. On ne sait jamais, un retournement de situation est possible. Plus jamais un cœur Blu-ray. Ah non, j'attends le temps actif quand même, je suis respectable. Je ne tente pas d'arnaquer. Et comment ça, cette démocratie d'obé? D'où? Ah, 5-6 minutes, le temps de parler. De toute façon, il n'y a personne qui va se ramener avec 20 sbires, hein. C'est impossible. Mais Non, mais la démocratie d'obé, c'est quand tu te fais... parce que j'ai envie. La démocratie d'obé, c'est quand t'étais en classe et que tu voulais devenir délégué ou que t'avais un mec que tu connaissais et voulait devenir délégué. Et puis qui demandait à tous ses potes. Sauf qu'il se faisait toujours avoir par le mec que, pour lequel tout le monde votait, qui était en mode « MDR, je vais devenir délégué, ça va être rigolo. » Voilà. Mais bon. Bon allez, fin des votes. Merci d'avoir voté, d'avoir été si nombreux. Et donc c'est la légende de Thor qui gagne, qui sera le prochain jeu. Alors mon cher Blu-ray, je t'inviterai à m'envoyer en MP sur Twitch, je suppose, ou sur Discord, un handicap pour Legend of Thor, Story of Thor, le nom anglais, juste pour en MP. Et si tu peux trouver un handicap par rapport au gameplay, ouais, non, Blu-ray, quelque chose d'un peu plus chiant. Sérieux? Franchement, Blu-ray, si t'as d'autres idées sur le gameplay, par rapport au gameplay, c'est rude, ok. Après, ce handicap, c'est vrai que j'essaie d'éviter quand je peux. Donc si t'as d'autres idées, balance-les moi en MP sur Discord plutôt que j'ai une trace, une vraie trace. Ça serait cool. Surtout que je crois que je suis toujours sur le Discord à la con, là. Il est où ce Discord, là, cet enfer vivant? Moi, ce qui était un enfer vivant à l'époque. Je cherche. Non. Voilà. Donc tu m'aurais. Ouais, tu me slash switch, ok. Ok. Bon, si jamais t'as des idées d'ici là, tu me dis, tu me tiens au jus. Non, mais t'avais le Discord le Discord de Bifrost. Il y a le Discord de Bifrost, t'as mon pseudo ou un MP Discord, quoi. T'es pas besoin de rejoindre un serveur et te faire chier. Bon. Ok. Bon, je réfléchirai à d'autres trucs, alors merci, Blu-ray. Et des bisous sur Météos, et ben on va s'arrêter là. Oh là 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 là, ça me donne déjà des infos. Bon, et bah sur ce, on va s'arrêter là, les amis. Moi, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve demain matin pour du Pillars ou du Xenogears si j'ai la flemme de jouer à Pillars. Blu-ray fini. Ma liste noire. Il est sur la liste noire de beaucoup de monde, Blu-ray, donc bon. Une de plus ou une de moins, ça changera rien. Ça c'est intéressant, bon j'ai noté tout ça. Ok, j'ai tout ça de noté. Et puis je verrai. Bref. C'est très correct, ouais, je pense aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, faut que je réfléchisse à un truc de mon côté à la limite.
Et bref. Sur ce, des bisous, passez une bonne soirée, à plus. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir voté, merci pour les subs, les resubs, les subgifts, les hosts, les follow, toutes ces conneries. Et à plus.